Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans le studio Pilates d'Aqua Attitude pour ce cours numéro 2. Alors, je vous le rappelle, on va se retrouver comme ça tout au long de l'été à raison d'une vidéo tous les 15 jours sur la chaîne YouTube d'Aqua Attitude bien sûr et des cours que vous pourrez faire du coup chez vous ou sur votre lieu de vacances. Alors si vous ne connaissez pas le Pilates, moi je vous invite vraiment à aller regarder la première vidéo car j'y donne des consignes primordiales pour débuter le Pilates, en tout cas des consignes concernant la respiration et la posture. Alors avant de commencer le cours, je voulais faire aussi un petit point avec vous car très souvent quand on commence le Pilates, un des premiers retours que j'entends en cours c'est « Ingrid, je n'arrive pas à assimiler, à faire en même temps la respiration, à pousser mon nombril ». C'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à penser en Pilates. Et du coup, je vais vous donner un petit peu la clé. En Pilates, il y a 6 principes fondamentaux qu'il faut essayer d'appliquer sur chacun des exercices. Alors, 6 principes qui sont la respiration, le centrage, le contrôle, la précision, la fluidité et la concentration. Alors, on va les voir un par un. La respiration, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, hein, je fais ça plus en détail sur la première, sur le cours numéro 1. Donc, la respiration, je place mon air au niveau de mes côtes. Et je souffle de l'air chaud en engageant mon transverse, c'est-à-dire en serrant mon ventre. La respiration, elle est primordiale car elle vous permet de vous muscler. Et ça, c'est plutôt super intéressant quand même de pouvoir se muscler rien qu'en respirant. Et puis, bien placée sur un exercice, elle vous permettra vraiment de mieux réaliser vos exercices et donc du coup, de plus vite progresser. Le point numéro 2, c'est le centrage. Dites-vous que le Pilates, ça se passe là. En gros, des côtes jusqu'en dessous de votre bassin. C'est là que se trouvent vos muscles profonds, vos muscles posturaux, ceux qui vont venir maintenir votre colonne et maintenir en tout cas votre posture. C'est ça qui fait que vous tenez droit et que vous vous tenez bien. Voilà. Donc le Pilates, ça travaille uniquement cette zone-là. Et c'est là que tout se passe. Donc c'est là que doit être en tout cas votre attention quand on fait un exercice, c'est sur le centre. Ensuite, on aura le contrôle en point très important. Sur tous les exercices, je vais vous demander de contrôler ce fameux centre justement. Donc ce soit là au niveau du bassin, au niveau des lombaires, au niveau du sacrum. Essayez de fixer cette zone quand vous faites un exercice. Voilà, ça c'est primordial en Pilates également, le contrôle. Ensuite on aura la précision. Soyez précis sur vos mouvements. Il vaut mieux faire peu de répétitions et le faire très bien avec beaucoup de précision que d'en faire beaucoup et de le faire n'importe comment. Donc d'ailleurs, si vous, à un moment pendant un exercice, hein, même si je suis en train de le faire avec vous, si vous voyez que vous avez du mal un petit peu à suivre et qu'au bout d'un moment, vous faites un petit peu n'importe quoi, que ça bouge, que c'est plus très précis, arrêtez votre exercice, il n'est plus du tout efficace. Il vaut mieux arrêter, faire une petite pause et reprendre ensuite pour mieux retravailler, toujours avec précision. Ensuite, la fluidité. Alors ça, ce qui passe en cours avec moi, vous le savez, je vous le dis toujours, soyez fluide, mettez de l'huile dans votre articulation. Voilà, il faut pas que ça saccade, il faut que ça glisse tout seul. Ça, c'est un mot qui ressort aussi souvent. Voilà, soyez fluide sur votre mouvement. Le Pilates, il faut que ce soit gracieux, il faut que ce soit fluide, il faut que ça glisse. Alors ensuite, on aura le dernier point, c'est la concentration. Déjà, il faut être concentré pour pouvoir appliquer les 5 principes que l'on vient de voir. Et puis, dites-vous que le Pilates, ça associe vraiment un travail, une association en fait de travail du corps et de l'esprit. Pareil, pour ceux qui passent souvent en cours avec moi, je vous le dis très souvent, n'hésitez pas à fermer les yeux. Le fait de fermer les yeux, ça permet de visualiser ce qui se passe dans son corps. On est plus concentré et vous allez voir que le contrôle sera beaucoup plus important en étant concentré. Et puis, dites-vous aussi que passer que ce soit 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, peu importe, une heure, à être concentré sur soi, sur ce qui se passe dans son corps, et ben on sort d'un cours de Pilates, vous allez voir, complètement détendu. Voilà, maintenant que ce petit point est fait sur les 6 principes fondamentaux de la méthode Pilates, on commence par l'échauffement. Alors avant de s'échauffer, on va déjà correctement se placer. Je vous rappelle le placement. Les pieds, largeur de votre bassin. Les jambes très légèrement fléchies pour ne pas être en hyperextension et les épaules bien relâchées. Au niveau de votre dos, vous prenez l'extrémité haute, vous tirez vers le haut, l'extrémité basse, vous tirez vers le bas, hop, vous allez sentir votre bassin basculer un petit peu vers l'arrière et votre ventre se resserrer. Ça, c'est l'action de votre transverse qui est déjà en train de se contracter. Au niveau de votre dos, vous allez mettre vraiment de l'espace entre chacune de vos vertèbres. C'est ce qu'on appelle l'auto-grandissement. Donc une fois qu'on est bien placé, on va pouvoir échauffer les différentes zones articulaires. On va commencer par les cervicales. Je vais relâcher ma tête hop sur le côté. Donc j'allonge bien ici et je reviens. Je relâche devant
Et je reviens. L'autre côté. Et je reviens. Maintenant, avec le bout de mon nez, je vais dessiner des cercles. Tranquillement, tout en douceur. Je vous rappelle, n'allez pas chercher derrière. C'est une zone qui reste fragile, hein, les cervicales. Donc, petit cercle, hop, en restant sur le devant. Et je change de sens de rotation. Je peux que ça craque un petit peu. Hein. Ça craque, on y va doucement. Hop. Et seulement si ça va, vous pouvez agrandir un petit peu vos cercles. Ok, et on revient au centre. Les épaules maintenant. Toujours la même posture. On va s'occuper donc au niveau des bras. Regardez, je monte mes épaules sur une inspiration. Je les monte au maximum. Ensuite, sur l'expiration, je les redescends le plus bas possible. Sur une inspiration, je monte mes bras, mais mes épaules sont restées à la même place. Et sur l'expiration, je relâche. Je reprends. Inspire, je monte au max. Expire, descends au max. Inspire, monte les bras sans monter les épaules. Vous sentez d'ailleurs les omoplates qui se resserrent normalement. Et relâche. Encore une fois, inspire, expire, inspire, monte les bras. Expire et relâche. Voilà. Donc on a échauffé les épaules et avec ce mouvement, du coup, vos omoplates. Maintenant qu'on s'est échauffé, je vous propose de passer sur le tapis pour attaquer le tout premier exercice. Alors, on va déjà commencer par s'allonger. Vos pieds sont largeur de votre bassin. Vos jambes fléchies, les mains juste ici derrière les cuisses. Je pousse mon nombril, hop, et je descends ma colonne, vertèbre après vertèbre, en douceur. Ok. Une fois que je suis allongée, j'ai ramené ma jambe droite, ma jambe gauche, puis je tends ma jambe droite, puis ma jambe gauche encore. Sur une expiration, je vais venir enrouler le haut de mon dos et je vais commencer à pousser donc, du coup mon nombril vers la colonne. Donc ça fait ça, j'inspire et à l'expire, hop, j'enroule. Mon nombril, ça y est, il est bien poussé vers l'intérieur. J'attrape l'arrière de ma cuisse. La jambe que je ne tiens pas, je la descends. J'ouvre bien mes coudes et je vais faire un petit deux temps. Ça va faire 1, 2 et je change et 1, 2 et je change. Voilà. Au niveau de la respiration, inspire, expire. Voilà, en fait, je prends l'inspiration, hop, sur le temps et je souffle sur le changement de jambe. Continuez bien sûr à respirer. Alors, vous pensez à tous les principes que l'on a vus juste avant, les principes fondamentaux du Pilates, le centre, ok, la fluidité, la respiration, tout ça. On met bien en place la concentration, voilà. Allez, si vous êtes souple, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Sinon, vous gardez vos mains au niveau de la cuisse. Faites en fonction de votre souplesse. Voilà. Mes jambes, elles sont bien tendues. Mon ventre est bien serré. Allez, on tient. Encore. Hop. Ok. Si vous êtes en pilates confirmé, si vous faites du pilates avec moi depuis longtemps, vous pouvez ici faire sans les mains. C'est plus dur. Hein, ça engage encore plus vos abdos. Voilà. Il faut bien pousser le nombril pour garder, du coup, les lombaires plaqués. Allez, encore 10 secondes. 10. 9, 8, 7, 6, on tient jusqu'au bout, ne lâchez pas. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, je groupe, je relâche ma tête, les mains et un pied après l'autre. Allez, on passe maintenant au deuxième exercice. Alors, pour l'exercice suivant, on va faire en gros à peu près la même chose, mais avec les deux jambes en même temps. Et croyez-moi, ça complique un petit peu la donne. Donc, on reprend la même chose. Hop, hop, je tends, je tends. Sauf que là, vous allez placer vos mains ici, derrière, hop, votre tête. Sur une expiration, hop, je viens enrouler. Au niveau de la tête, repoussez un petit peu la tête dans vos mains, de manière à allonger vos cervicales, vous devez le sentir. Si vous poussez bien la tête, votre ventre se serre et vos cervicales s'allongent. Donc une fois que je suis là, j'inspire et j'expire, je remonte. Inspire, expire. Voilà, donc placez votre respiration. Et moi, je vous conseille vraiment de faire une petite amplitude. Le but là-dedans, c'est que votre dos ne bouge pas, je vous le rappelle. Hein. C'est toujours le contrôle. Donc je descends, tac. Et je remonte. Mon ventre est bien serré. Inspire, expire. Encore. C'est trop dur, vous pouvez aussi fléchir un petit peu. Hein. Ça va faciliter l'exercice. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à fléchir. Mais surtout, assurez-vous toujours que vos lombaires touchent le sol. Allez, pour les confirmer, on reprend jambes tendues. Tac et tac. Inspire,
expire. Allez, pareil, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je groupe, je relâche ma tête, les mains et un pied après l'autre. Allez, troisième exercice. Allez, pour le prochain exercice, on va se mettre sur le côté pour travailler l'extérieur de la fesse. C'est parti, donc je m'allonge. Donc pareil que la dernière fois, je vous propose deux options. Soit l'option débutant, vous êtes allongé, la tête repose sur le bras. Ou alors l'option confirmée, vous placez votre coude ici sous votre épaule. Alors vous ne vous relâchez pas, hein. Le but c'est vraiment de repousser le coude dans le tapis pour s'éloigner au maximum et être en gainage. D'accord ? Donc ça c'est votre posture si vous êtes confirmé. Posture pour les débutants, complètement allongée. Alors, la main ici en appui. Ok, j'aligne bien la tête, les épaules, le bassin. Au niveau de mes jambes, je les avance un tout petit peu et je m'assure aussi que j'ai les deux pointes des crêtes iliaques bien l'une au-dessus de l'autre. Alors, je vais monter ma jambe supérieure et là, je vais faire des cercles. Donc, objectif, faire des cercles sans bouger votre bassin. Donc, on évite hein, d'avoir un bassin qui bouge dans tous les sens comme ça. Au contraire, on tire sur la jambe, on allonge au maximum. Voilà, on dessine un cercle très très régulier. Alors imaginez également, là au niveau de votre taille, qu'il y ait un petit poids qui puisse passer, une petite coccinelle. Admettons, une petite coccinelle qui puisse passer. Donc il faut que vous serriez ici au niveau de la taille, voilà, pour laisser un espace entre votre taille et votre tapis. Allez, on fait des cercles, hop, réguliers. Alors le gros défaut hein, que je vois régulièrement, c'est des cercles qui ressemblent plutôt à des ovales. Allez chercher votre mouvement sur le côté, voilà. Allez, on tient encore, on allonge hein, surtout, on tire, un peu comme si on voulait dessiner un cercle sur une feuille de papier qui serait un petit peu trop loin. Allez, encore, ça commence à chauffer, on a fait que la moitié, allez, on change de sens de rotation. Donc votre ventre est bien serré, le nombril pousse toujours vers la colonne. Ici, toujours pareil, hein, mon petit creux pour laisser passer la taille d'une coccinelle, hop, et je tire. Ça commence à chauffer encore. Allez, on tient 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Vous pouvez amener un petit peu la jambe devant pour étirer. Ça va faire du bien au niveau de la fesse. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, hop. Moi, je vais me mettre en posture pour les confirmer. Donc ici, tac, je suis en appui sur mon coude, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc je ne me relâche pas, au contraire, je me repousse du tapis et je prends ma jambe, hop, et c'est pareil, petit cercle. Alors évidemment, les petits cercles en posture confirmée, ça travaille la taille, mais ça engage encore un petit peu plus au niveau de la fesse. Pour les débutants, rappelez-vous, vous êtes complètement allongé avec la tête qui repose sur le bras, voilà, et on tend, allez. Le cercle. Alors là, je regarde moi pour vous guider, hein, mais vous regardez toujours devant vous, d'accord? Ne regardez pas vos pieds. Voilà, je serre mon ventre. Ok, ça chauffe, hein? Encore un peu. Allez, change de sens de rotation. Tire sur la jambe, ça brûle. Je vous rassure, moi aussi, hein. Il n'y a pas que vous qui souffrez. Allez, encore. 10 secondes. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche, j'amène et je tire un petit peu. Allez, on passe à l'exercice suivant. Alors pour le prochain exercice, on va travailler l'extension de votre colonne vertébrale. Vous savez, au quotidien, on a plutôt tendance à avoir les épaules vers l'avant et le dos rond et c'est pas du tout bon pour votre dos. Alors là, au contraire, on va travailler l'extension, donc plutôt le dos cambré. On va venir renforcer également vos lombaires, hein, les muscles au niveau du bas de la colonne vertébrale et on va travailler du coup la souplesse de votre dos. Alors, si vous sentez un petit pincement au niveau de vos lombaires quand vous allez faire l'exercice, dans ce cas-là, arrêtez l'exercice, il n'est pas bon pour vous. Vous allez sentir quoi qu'il arrive, un travail musculaire, ça c'est vrai, par contre dans le bas du dos, vous sentirez que ça se contracte. Dans ce cas-là, vous continuez. Mais s'il y a un pincement au niveau de la colonne, là vous arrêtez l'exercice. Alors, on va venir s'allonger. Donc, hop, je place mes coudes, largeur de mon tapis, à peu près en face de mes épaules. Mes pieds, largeur de mon bassin.
L'exercice, c'est simple, je vais venir m'allonger complètement. Et sur une expiration, je vais venir redresser le haut du corps en serrant mon ventre, en poussant mon nombril vers la colonne. Donc, on va le faire ensemble. On relâche, on inspire. Et à l'expire, je pousse mes coudes dans le tapis. Voilà, je serre mon ventre. Et je garde bien mes épaules éloignées de mes oreilles. Je suis pas comme ça. Hop, je me repousse, je me serre, je monte mes coudes et je rentre mon nombril vers l'intérieur. Voilà, ça c'est le baby swan. Donc c'est un swan de petite amplitude. On va refaire la même chose avec le swan complet. Donc on relâche. On va reprendre avec le baby swan. Donc j'inspire. À l'expire, je pousse mes coudes. Voilà, je serre mon ventre. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. Ok, ça c'est le baby swan. On part sur le swan. Inspire, expire, tends les bras, serre le ventre. Pareil, ne relâche surtout pas ton ventre. Voilà, je me grandis, j'ai pas les épaules ici, hein, au contraire. Hop, je pousse mes épaules vers le bas. Et je vais essayer avec mes mains de tirer mes mains vers moi, un peu comme si je voulais faire venir le tapis vers moi. Ok, inspire, expire et relâche. On refait encore une fois. Allez, j'inspire, baby swan. Hop, soufflez, décolle. Voilà. Je suis en baby swan, je serre mon ventre. Voilà, j'éloigne mes épaules. Inspire. Expire, swan. Voilà. Je serre mon ventre. Les mains, hop, je les tire vers moi. Voilà, comme si je voulais faire glisser le tapis vers mon nombril. Ok, encore, on tient. On pousse les épaules, on serre le ventre. Inspire. Expire. Et relâche. Voilà, et c'est terminé pour cet exercice. On passe maintenant au dernier exercice. Allez, on termine la séance avec un gainage. Alors, munissez-vous d'un chronomètre ou d'un téléphone qui aura l'application chronomètre. Je vous montre la posture. Vous aurez cette posture ici. Les mains en dessous de vos épaules et les genoux en dessous de votre bassin. Vous allez retourner vos orteils pour ensuite décoller vos genoux de quelques centimètres seulement. Voilà, ça c'est votre gainage. Alors, si je peux vous donner une consigne, imaginez que je vous pose un verre là, juste au milieu du dos et vous ne devez surtout pas le renverser. C'est parti? On tient 30 secondes? Allez, go! On se met en posture, on se place bien. Si vous êtes prêt, je lance le chrono. Donc mon dos est droit. Hop! Et c'est parti. Je décolle mes genoux. Voilà. Je stabilise au maximum. Je serre mon ventre. J'allonge bien mes cervicales. Hein. Je regarde le sol pour ne pas casser au niveau de ma colonne vertébrale. Et je ne bouge pas, hein, je stabilise au maximum, je pense à mon verre. On a déjà fait la moitié. Allez, tenez-le. Courage. Respirez bien, serrez votre ventre. On arrive doucement à la fin, il reste 5 secondes. Courage. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Allez, j'amène les bras devant pour étirer mon dos. Je serre mon ventre toujours. Ok, et je remonte le dos. Bien, bien rond. Voilà. Donc, c'est terminé. Si vous voulez refaire cet exercice, si vous le trouvez trop facile à 30 secondes, augmentez la durée, il n'y a pas de souci. Mais gardez toujours, toujours 30 secondes de récupération et répétez-le 5 fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite de passer de très, très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau cours de Pilates. À bientôt. Ciao, ciao.